30 secondes pour être le plus rapide sur la piste olympique de Saint-Quentin en Yvelines. Les Bleus peaufinent les derniers détails à l'entraînement pour ne pas revivre le cauchemar de Tokyo. Au dernier jeu, aucun des trois Français engagés en finale n'avait réussi à terminer sur le podium. Un mauvais souvenir que Joris Daudet, présent au Japon et actuel champion du monde en titre, souhaite effacer. Tout le monde a le niveau pour gagner. Malheureusement, on n'a jamais, on n'a jamais réussi à remporter cette médaille. C'est peut-être un mal pour un bien pour remporter celle-ci à Paris. Ça sera encore plus beau. Les Bleus abordent ces Jeux confiants. Ces deux dernières années, ils ont placé 5 riders sur les podiums des championnats du monde. Romain Mailleux avait remporté l'or en 2023, après un triplé français retentissant en finale. À Paris, il fera partie des favoris. Ça peut peut-être me rajouter une pression, mais c'est une pression que je prends comme un privilège. En tant que favori, c'est quelque chose, je pense, dans une carrière qu'il faut... Je pense qu'il faut tout prendre. Il faut juste, ça dépend de stress, comment tu l'utilises, mais si tu l'utilises bien, ça peut être presque un pouvoir magique. Un peu de magie, mais beaucoup de travail. La France est aujourd'hui la nation référence en BMX Racing. Depuis 2016, elle a toujours remporté des médailles mondiales. Un savoir-faire dont profite le sélectionneur Julien Sastre, aux commandes depuis 10 ans. Et en toute humilité, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une équipe au monde qui peut se targuer d'avoir le niveau d'intensité qu'on a derrière la grille à l'entraînement. Et ça, assurément, quand on sait l'utiliser, et les pilotes, je pense, savent de mieux en mieux l'utiliser, bah, c'est ce qui fait notre force quand on arrive en compétition internationale. Jamais en 4 éditions du BMX Racing aux Jeux Olympiques, les Bleus n'ont terminé sur le podium. Comme à Tokyo, la France aura 3 représentants, Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mailleux. À Paris, tous leurs rêves sont permis.